la vallée des Belleville est longue de 35 km et offre plus de 3000 mètres de dénivelé. Avec Gabi Rivas, Kevin Berton et Timiteo, on voulait essayer de la descendre d'une traite. Et pour cela, il n'y a pas 100 façons de faire. Il faut que les sommets soient enneigés et que les forêts soient vertes. Dans ces conditions, il est possible d'accéder au Roc des Saints-Pères en ski, changer de matériel à Val Thorens pour prendre les vélos, et filer par les chemins jusqu'à Moutier en traversant les menus. Sur le papier, l'idée est bonne, mais on ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait. Voilà, début de l'aventure, on part de Valto. Une nuit 5 millions d'étoiles, ça se mérite quand même, vous voyez le bazar qu'il y a. Donc ça nous fait des bons sacs de 15 kilos, je dirais, en moyenne. Donc on verra ce que ça donne à la montée, puis à la descente aussi. Va falloir les traîner. Hein. Camper avec les violets, crampons, là ça commence à causer là. Ils vont voir que c'était tout puff hein, là. Bouillon cube à 3005. Ben on s'est changé, on attaque le vélo et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de neige à Val Thorens. Donc on se rabat sur la solution de descendre par la route et au menu, on attaquera par les chemins. Bon, la descente hein. We'll be right back.
sommet de la montée, on a traversé toutes les belles villes. Et maintenant, on attaque la dégagée à Moutier, 1600 mètres de dénivelé. Profitant de bonnes conditions en fin de saison, nous avons pu nous faire un dernier plaisir. Si cette grande première pour nous n'a pas été de tout repos, l'itinéraire vaut vraiment le coup. Le créneau n'était pas facile à trouver, mais nous nous sommes régalés à la descente dans deux disciplines. Pouvoir skier et rouler en un si court laps de temps est assez unique. À l'arrivée, on a vraiment la sensation d'avoir profité de tout ce que la vallée des Belles-Villes peut nous offrir.